السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le pouvoir appartient à Dieu et au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Quand le peuple est debout, Dieu est debout. Nous avons démontré ensemble que quand le peuple est debout, Dieu est avec lui. La finalité a prouvé que le combat mené était un combat juste. C'était un combat noble. C'était un combat mérité. Il y a quelques heures, on pensait que c'était impossible. Mais les hommes de foi, les hommes engagés par la grâce de Dieu, cela a été possible. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Mali. Aujourd'hui, le Mali est revenu au peuple. Et le peuple doit continuer à considérer que c'est une étape de veille qui commence. Ce n'est pas une étape de sommeil. Ce n'est pas une étape où il faut dormir. C'est l'étape de veille pour s'assurer que la souveraineté est revenue au peuple. Pour s'assurer que le peuple a recouvré sa dignité. De Kidal jusqu'à Kaï. Je ne vais pas traîner sur le micro, mais je vous dirai simplement que j'appelle toutes les sensibilités du Mali, de Kaya Menaka jusqu'à Lere et jusqu'à Kaï, qu'elles considèrent aujourd'hui que c'est un nouveau Mali qui s'ouvre. Le Mali de l'espoir, le Mali de diversité. Pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala remercie, donne la force au M5RFPA, à tous ceux qui sont mobilisés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde parmi nous longtemps notre imam, l'éclairé, les chefs, l'honorable, l'imam Mahmoud Dicko. Parce que il faut le reconnaître, au moment où les incertitudes se sont agrandies, au moment où le désespoir s'est installé, Dieu a mis devant le peuple un homme, l'imam Mahmoud Dicko, auquel il a donné sa confiance. Et par la grâce d'Allah, Dieu aussi a mis à ses côtés des hommes de valeur, des hommes de valeur qui l'ont accompagné et qui l'ont soutenu. Et aujourd'hui, voilà les résultats. Voici les résultats. C'est notre résultat. C'est votre résultat. Et le CNSP l'a dit tout à l'heure, quand ils l'ont dit, j'ai les poils qui se sont soulevés, parce que c'est ça que j'attendais d'entendre. Ils ont dit, nous avons parachevé la lutte du peuple. Nous avons parachevé la lutte du peuple, cela est extrêmement important. Pour dire que dans les enseignements que nous avons eus à l'école, en matière de citoyenneté, l'armée fait partie des citoyens. Et quand le moment est venu de jouer la partition, ils l'ont joué avec honneur, civilité et dignité. Qu'il en soit remercié. Je m'arrête là. Qu'Allah bénisse le Mali. Que Dieu nous apporte la paix. Nous allons voir, inch'Allah.